des pierres, des dalles, des pierres de bavière que j'emploie maintenant. Avec mes pinces, je fais une pression, un petit peu comme si c'était du carrelage. Voilà. Alors celle-ci, elle est un peu trop épaisse pour ce que j'aurais pu vouloir faire. Donc avec mes pinces, je présente ma pince dans la partie épaisseur D'accord, et je dédouble. vous voulez dédoubler. Je veux un angle droit, je le décrocis. J'ai ici une pédale qui commande une perceuse sur laquelle j'ai un disque abrasif. J'appuie sur ma pédale, ça cloche les deux. Je présente ma pierre, voilà, comme ça, de chaque côté. Et avec une équerre, l'équerre que j'ai ici, je vérifie si mon angle droit est un petit peu de passe et je pose sur la pierre qui est destinée à recevoir cette pierre. Voilà comment D'accord. je procède. Alors, la toiture, c'est fait avec du ciment, de l'oxyde de fer pour teinter. Alors, j'emploie plus ou moins de colorant pour avoir des teintes différentes. D'accord. De l'eau. Et une fois que j'ai bien fait cette pâte, bien huilée, donc mon ciment coulé dessus. Et quand il commence à prendre, si suivant l'humidité, le temps d'hydrométrie, peut demander une demi-heure ou une demi-journée. Après, je découpe des petits carrés et quand c'est bien sec, ça me fait des petites tuiles comme ça, voilà, qui D'accord. font maximum 2 mm.